Une fois propriétaire de votre nouvelle Cadillac équipée du système Q, bien, la première chose que vous voudrez faire sera probablement d'y jumeler votre téléphone. Premier point à se rappeler lorsqu'il s'agit de jumeler un téléphone. L'opération est un jeu d'enfant, mais impossible à exécuter lorsque vous conduisez. La sécurité d'abord. Vous devez en outre vous assurer que Bluetooth soit activé sur votre téléphone pour pouvoir vous connecter au système Q. Selon le téléphone, vous allez devoir, dans certains cas, vous assurer que le mode découvrable soit également activé, tout comme la fonction de balayage, si le téléphone en est doté. Mais pour jumeler votre téléphone au système Q, appuyez sur l'icône du téléphone. Ensuite, appuyez sur « Jumeler l'appareil ». Vous n'avez qu'à synchroniser Cadillac Q sur votre téléphone. Avec la plupart des téléphones les plus récents, il n'est même pas nécessaire d'entrer un code. Vous n'avez qu'à accepter l'opération sur mon téléphone et sur l'écran de Q. Et le tour est joué. Pas plus compliqué que ça. Le téléphone jumelé s'affichera à l'écran et tous les téléphones que vous avez jumelés seront inscrits sur la liste. Vous pouvez passer d'un téléphone à l'autre. Il suffit d'appuyer sur celui que vous voulez, tout simplement, et le tour est joué. C'est pas plus compliqué que ça. En plus, tous vos contacts, vos derniers appels et d'autres renseignements encore sont là, à votre disposition facilement. Si vous regardez au bas de l'écran, vous pouvez également voir le clavier du téléphone, comme par exemple ici. Vous pouvez synchroniser, faire un numéro sans toucher à votre téléphone. Il y a également un bouton pour la messagerie vocale. Une autre vidéo de cette série présente plus de détails sur les téléphones. Mais pour l'instant, sachez qu'une fois qu'un téléphone est jumelé, vous pouvez littéralement le laisser dans votre poche ou votre sac à main. Le système Q s'occupe de tout, simple et intuitif. Votre téléphone est entièrement connecté.